Je suis Afrique. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. L'autre a eu l'AVC. Ça ne fait pas pitié. Ça ne sert de même pas. Je suis venu ici pas pour dire que les gens pleurent comme ça, comme ça. Tu veux que les gens se calment. Hein? D'accord. Arrête ton cinéma. Donc, pardon. Je suis rentrée comme ça en famille pour trouver un peu de réconfort auprès de mes frères et sœurs. Et maintenant, si vous entrez dans ma vie, honnêtement, je vais me dévouer à vous parce que j'ai de l'expérience, que ce soit dans le ventre, que ce soit dans le bas-ventre. En fait, je maîtrise. Donc, je pense qu'avec une femme expérimentée... Combien d'enfants déjà? Le problème, c'est que je cherche. Je ne fais que chercher. Ils sont prêts où? Je ne fais que chercher. Les enfants? J'ai fait tous les traitements. Tu ne trouves pas l'enfant? Mais j'ai la foi. Il faut aller chez monsieur ici. Docteur BKM couple un bébé. Oui, je me dis que si avec. Le père là est fort, hein. Je me dis que si il faut aller chez docteur BKM. Je l'avais pensé, mais comme ma grande sœur était tuée, elle n'écoute pas. Je me suis dit que si vous venez dans ma vie, que vous êtes un cultivateur, sûrement vous connaissez ce qu'on appelle cultiver. Vous pouvez aussi s'aimer en moi comme vous s'aimez dans les ignames. Et ensemble, on peut récolter, que ce soit les ignames, que ce soit non, les enfants. Non, avec lui, ne peut pas récolter. Je suis dépassée. Tu utilises d'abord les gros mots. Pourquoi elle est stérile? Elle va t'expliquer pas de prix même. Arrête ça. Oh, papa, c'est vrai qu'elle a les difficultés. Même si tu es dans la célérité, tu pars chez docteur BK. Oui. Un couple, un bébé, il peut te trouver une solution. Si on part ensemble, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est tout. Pour le moment, je ne fais rien parce que j'ai bouffé une cotisation dernièrement. On m'a traité de arnaqueuse, mais je n'ai pas arnaqué. On m'a volé. Donc j'ai fait une petite cellule seulement. Mm-hmm. Donc j'ai fait la cellule pour arnaque, mais j'ai été volé. Il ne va pas rembourser les dettes. Là. Il ne va pas rembourser les dettes. Donc c'est tout. Mais en ce qui concerne le ventre, le bas-ventre, l'agriculture. Tout fonctionne. C'est bon. Même si elle a fait la cellule, moi je ne suis pas quelqu'un qui tue la nourriture. Mmh. C'est son peu de moyens qu'elle a. Toi tu pouvais faire même le manioc. Comment elle fait la cellule là? Tu fais le manioc. L'autre aussi fait même la patate. Même le piment. Ça donne quelque chose. Hein? Tu vas chercher à servir la nourriture là. Pendant que celle-ci se présente. Ça veut quoi? La cellule, elle a fait la prison. Ce n'est pas la prison. La petite cellule là. Au commissariat, non? Ouais. Vous avez fait. Mais toi aussi, vous avez fait la cellule. La cellule, c'est pas. Et non, celui qu'on mange. Mm-hmm. Non. Mm-hmm. Pas la cellule, la cellule. La cellule. Ah bah, du same thing. Ça va. Ma fille. Oui, tonton. Je suis avec toi. Tonton. Lève-toi. Avant de te présenter, tu es la plus jeune. Tu as séché ton matelas. Je ne sais pas si elle peut parler quelque chose. Je sais qu'elle se présente. Je voulais même que, comme c'est comme ça qu'elle entre, parce que là, ça concerne les grandes personnes. Oui, justement. Si elle peut entrer, c'est qu'elle fout encore et puis elle ressort. Va sécher ton matelas. Elle vient, tu vas nous dire au revoir, on va partir. Quand on est en famille, chacun se présente. Ok. Présente, laisse d'abord le truc, présente-toi. Tonton, il m'a payé Michel. Michel. Mm-hmm. Michelin ou Michel? Michel. Mm-hmm. Il fait sixième. Sixième? Mm-hmm. Mm-hmm. Tu as quel âge? Tonton, il a 16 ans. 16 ans. Tu fais dans quel lycée? Le lycée de Mikan. Le lycée de Mikan. Faut préciser que tu puisses lire.
Ce n'est pas là le problème. C'est qu'elle n'a même pas séché. Ne pleure pas, ma fille. Je voulais, elle fait sixième. Elle fait, tu as dit qu'au lycée de Minkan, déjà un pour aider la famille ici. Sa pension de l'année qui vient là, j'assume. J'assume sa pension et je vais mettre à sa disposition pour aider cette famille une moto qui va venir le matin la porter. Mais tu devais commencer par... Je vais revenir sur vous. Mais je vais revenir. Je ne comprends pas. Ne mélangez pas. La chute là, c'est quoi? Ne mélangez pas. Elle est la plus insouche. Ne mélangez pas. Je suis un sage. Comme vous. Non, vous êtes... Écoutez. Non. Non. Moi-même, je n'aime pas. Vous ne connaissez pas ce que je parle. Laissez, calmez-vous. Explique-nous alors comment on est perdu. Non, on va comprendre. On est perdu. On va évoluer sur le temps. Je ne suis pas un homme qui... Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas quelqu'un qui ment. Hein? Je vais mettre à sa disposition une moto qui va l'amener à l'école le matin. Et la ramener. Pardon, je vais pas chercher mon sac de voyage. On va partir. Non, viens d'abord, on finit la pause. Comme cause, on se déplace pas, ma fille. Oh, je ne voulais pas mon sac pour partir. Je dis donc, calme-toi, pas en cause. Quel sac? Quel sac? Comment on a les conclusions? On n'a pas fini. On est en train de choisir. C'est toi qui l'as choisi. Qui va le choisir? Qui ce n'est pas moi qui va choisir? Asseyez-vous, on avance dans les causeries. Assieds-toi. Tu es là, tu ne vois pas ce qui est en train de se passer. Tu ne vois pas ce qui est bête déjà. Regarde ce qui est en train de se passer. Non, s'il vous plaît. Prends attention en train de Attention, en train de monter. On va mettre une moto qui va t'amener à l'école. Et ça va te ramener. Et tu auras 3000 francs d'argent de beignet par jour. Et on va arriver là. Évoluons. Okay. Évoluons. Comprenez le monsieur. Bientôt, il va partir. Hein? Comprenez-moi. Dans ce trou, je peux venir une fois par an. Oui. Chute alors, papa. On ne peut pas chuter quand on est cause. Quand on a que pression, dans la causerie, il n'y a pas la pression. On écoute moins. Je vous ai laissé le temps que chacun se présente. Oh, j'allais au fou, mon père, tu m'as non, mené. Non, jamais. C'est lui qui doit être pressé, pas vous. On a compris, papa, nous sommes désolés. C'est un vrai riche. Et ce n'est pas que je suis riche. Je suis quelqu'un que Dieu a béni. Et c'est dans les ignames. Personne n'a cru aux ignames. Les autres, c'était dans les plantains. J'ai un ami qui a fait dans les concombres. Il a porté un camion de concombres, ça a pourri en route. Ne dis pas que je suis riche. Mon argent n'est pas mon argent. Mon argent, c'est l'argent des ignames. Et maintenant, je vais arriver sur vous. Je me lève pour vous parler. Oui. Bien remarquer quelque chose en vous. Dans quand on se présente, je n'ai pas suivi. Je suis témoin de Jéhovah. Donc, écoutez-moi. Je prie du lundi. Écoutez-moi. Baptisé. Peste de misère. Les témoins. Peste de misère. Je n'ai pas suivi. Je suis catholique. Ah. Je suis protestant. Je n'ai pas suivi, j'ai la crainte de Dieu. Là où vous me voyez là, je suis où? Je suis où? Par le Saint-Esprit. Et je ne fais rien sans mettre Dieu devant. D'ailleurs, on va faire une petite chanson. Parce que chaque fois qu'on se réunit, il y a Dieu. Amen. On est la place du diable, là où Jésus règne. On est la place du diable, il n'y en a pas dans cette famille. Non.
chanson. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Vous répondez, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans cette famille. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Où alors, où est la place du diable? Là où Jésus règne, où est la place du diable? Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur cette fille. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur Marie-Lise. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas la sécurité. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ou alors, où est la place du diable? Là où Jésus règne. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je vais te dire un peu. Quand on fait la parole de Dieu, tu ne viens pas faire toi, la sauvagerie de toi. Il est possédé. J'aime pas cet esprit-là. Vous n'êtes pas en boîte de nuit quand vous chantez pour Jésus-Christ. Évitez de pousser des trucs comme ça devant. C'est parce que Dieu il te parle, il suit quelqu'un qui est plus âgé que toi. N'est pas méchant. C'est que tu dis comme ça, il coupe ça. Papa, vous occupez. Fais à qui? On t'a même fait une chanson pour Dieu, tu es dans le fait que. Tu fais quoi comme ça? Et toi? C'est quel comportement comme ça qu'on est en train de chanter? Tu as enseigné tes soeurs. Tu veux faire ce qu'on appelle la fornication? Devant tes soeurs, tu pousses tu comme ça. Ça veut dire que si elle met les pieds comme ça, tu peux pas. Évitez les jeux de ping-pong en famille. Ce sont tes soeurs. Je vois que tu fixes même la poitrine de celle-ci. Tu oublies qu'elle allait. Ah, présent. Même si tu dois t'intéresser à une poitrine, c'est une femme qui allait. Tu es un têteur. Tu es un têteur. Non, c'est ma soeur, président. Et tu as mis sa poitrine. Tu as mis sa poitrine, pourquoi? Non. C'est... Quand tu fais ça, tu es en train de faire le tour là, tu veux l'envoyer pas ici, non? C'est comme ça qu'il se j'aime pas la sorcellerie. M'emmenez pas la sorcellerie. Non, jamais d'inceste chez nous. Ça, c'est pas chez nous. Tu as mis une poitrine qui allait de l'enfant. Moi-même, depuis que je fais ça là, je peux même poser ma tête là. Regarde-toi. Je peux poser comme ça là. Ça me fait rien. Ça me fait rien. Non, ça peut rien te faire, président. Ça peut rien te faire. C'est normal. Tant que c'est ta propre soeur, ça t'entend. Non, je n'aime pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'a choisi, maman. Mais c'est devant vous qu'il a fait ça. Ah. Il m'a choisi officiellement. Non, ma tension monte. On va avancer. Sachez quand même que quand c'est petit, c'est mieux. Le père, décidez-vous, vous avez choisi qui. Pardon, chute. Bon, je ne venais pas ici pour faire ta polygamie. Et voyant comment vous vous comportez, je crois que je veux patienter. Comme elle a 16 ans. Hein? Je veux patienter. Hein? Je veux l'entretenir entre temps et l'accompagner dans son école. Hey! La suite. Parce que vous allez dire que vous finissez avec elle. Vous allez nous prendre. Donc, papa me saga. Ma fille est quoi avec moi? Je veux personnellement. S'il y a quelqu'un ici, je suis né, je suis un peu brun. Je ne peux pas prendre un truc qui est aussi brun comme ça. Il faut que je mixe les enfants. Oui. Mais me voici. Non. C'est un jansan que je fais, je suis né noir. T'as dit que tu as fait le maquillage. Oui, j'avoue. Et moi, le père, ce n'est pas, c'est un enfant. Michel, c'est un enfant, elle pisse encore au lit. Non, on va arriver là. Et ça ne donne même pas. Quand même, papa me sanga, regardez, ça donne. Ça, c'est non. Et non, vous, vous avez fait deux mariages, deux personnes sont mortes. Oui. Vous croyez que moi, si je meurs maintenant, mes ignames vont où? Si je meurs là, mes ignames vont aller où? Regarde. Non, bon, vous, moi, si qu'un jeune comme moi, si. Je suis un homme d'affaires, je veux être comme les photos Victor. Bon, et moi? Être comme les Obama Design. Et moi, le père, et moi? Et nous, le Bayangam. Et moi, alors? Laisse-moi parler d'abord. J'ai mis à être riche, bien riche. Je veux être comme les nobles Bayangam, le roi du Kanye, le président empereur Théo Ier. Deux maris sont morts. Tu veux un troisième, moi si. Pour mourir. Je vais laisser mes costumes à qui? J'aime pas ça. Donc, je te présente en direct ma fille. Ma fille, celle-ci. Et moi? Celle-ci. Mais pas souvent tu mets le soutien. Hein? Hey! Quand tu fais, tu m'assois-toi. Je suis avec votre soeur ou quelqu'un de la famille. Il n'y a pas pris ailleurs.
Il a choisi, elle peut choisir un deuxième avec le temps. Mais voyant son tempérament sexuel. Moi, j'ai mis mon gloss pour rien. Je peux parler quelque chose. Oui. Elle. On peut s'asseoir un peu. Je ne veux pas m'asseoir. Je ne veux pas m'asseoir. Papa, mes amis, ce que tu fais là, je suis dépassée. Ce que tu fais là. Michel, ce que tu fais là, c'est une abomination. Ça, c'est un bébé. Elle nous a dit depuis que c'est Michel qui voulait, non. Moi, j'ai perdu le temps. Et comment vous pouvez laisser. On n'a pas décidé. On n'a pas d'accord. Comment vous pouvez laisser les hanches déjà développées. Mince. Les choses qui sont déjà mûres. Vous prenez les 400, c'est-à-dire que. La banane non mûre. Mais les demandes qu'elle. Le casse-mangue à verre. Et tout ça, pas. Je vais. Tu ne viens plus ici chez nous. C'est comme ça. Tu ne viens plus ici. Michel entre. Michel entre. Qu'elle entre. Ça, c'est l'enfant. Il faut partir. Mais on ne prend personne. C'est quelle histoire vous voulez, ça, vous voulez faire les rites avec elle? Sectaire. Vous voulez faire les rites? On connaît ça. On vous a demandé. On connaît. Une femme vierge. C'est moi que vous parlez. Oui. Vous parlez comme ça. On ne vous parle pas que vous êtes qui? Non. Je demande. C'est moi qui t'ai envoyé dans la bordellerie. C'est moi qui ai tué tes deux maris. Deux maris morts. Vous, tu es en train d'arrêter, tu cherches encore notre mari. Et moi donc. Donc là, tu ne veux plus. Doucement, va. Oh. On allègue la police. Assez-vous. Tu vas entrer dans la maison. On allègue la police. Ne m'arrête pas. Ne prends pas une femme qui a déjà accouché. Un seul enfant, un seul. Fais-moi dire, ne prends pas une femme qui a accouché. Secteur. Toi. Oui, je suis un secteur. Tu es dans la secte. Assez-toi. Je ne prends pas une femme. Tu entends, tu sens même le truc de des tubes fontaines. Merde. Tu sens les tubes fontaines. Je dis que ne me touche plus. C'est la honte là que tu cherchais. Ne me touche plus. Vous prenez une vierge. Vous êtes dans la secte. Un tube commence. C'est la piste. On est où là? Après, c'est quand vous avez le ravin maintenant que vous cherchez au mariage. Monsieur, partez chez vous. On blaguait même d'abord. Là, on ne vous voulait pas. On blaguait. C'était le buzz. C'était le buzz. Et dès que je suis une influenceuse, et vous voulez faire le buzz avec toi sur ma page, je vais envoyer un. Tu mets ma photo sur Facebook. Tu mets ma photo sur Facebook, même dans quel commentaire tu n'auras pas. Ne sors pas la hache là. Ne sors pas la hache là. Ne sors pas la hache là. Ne touchez pas la hache là. Ne touchez pas la hache là. Laissez-le non. Sors. Parce qu'il ne vous a pas touché. Tu as quel problème. Tu as quel problème. Tu as quel problème. Ne me touchez plus, madame. Toi aussi. Papa, je te respecte. On est chez vous. Et vous restez, vous ne sortez pas là. Je pense que ça a le bonheur. C'est quoi, c'est quoi, je vous respecte. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Je vous respecte. Marilyn, laisse la hache. C'est moi qui te parle, non? C'est pas moi, Gonzomo, dans la maison. Ça, ce n'est pas le jade du sein que ça va me toucher. J'ai les oreillons le lendemain. Si ça me prend la joue, j'ai les oreillons. J'ai les oreillons pour te prendre. C'est le jade là. Hey! Et donc, pas faux, Bépanda. Rentrez chez vous. Allez, la cache vous. Je vais même te soutenir. Tu es là, tu fais la grande gueule. Je vous dis, vous n'avez pas le respect que je te dois. Vous n'avez pas soif. Vous n'avez pas soif. Remettez nos biens. Je vide mon argent. Alors, c'est l'argent des signes. Je vide mon argent. Mais ce sont mes caleçons. Depuis qu'on est ici, on sèche le caleçon, ça me prend pas. Je comment? Partez chez vous! Évite ma vie! Papa! Allez, videz ça! Oui! On prend ton ami, vous partez! On va partir! Papa, comme un passe! Remettez nos biens! Il nous a perdu! On est là, il est mis! Moi, je n'apprécie pas ce que vous êtes en train de faire ici! Remettez nos biens! L'objectif ici, c'était de faire sortir au moins une personne de la maison! Toi-même, tu vas partir! On libère une personne! Tu pensais partir avec une femme! Vous êtes les femmes! Voici ta femme! Papa, mais c'est là! Doucement, hein! Toi-même, fais un choix! Tu peux avoir une femme ici! Attends! On n'en a pas besoin! Vous ne me parlez pas comme si vous parliez n'importe comment. Je vous parle comme je veux. J'appelle la police. Je suis l'aîné de cette famille. Je vous parle comme je veux. Évitez de me parler n'importe comment. Je vous parle comme je veux, monsieur Ndefou. Je suis le chef de cette famille. Vous voulez que même le délégué, papa Barangélé, arrive ici. Appelle Barangélé. Tu sais comment je vais appeler? Je suis sorti avec le fils de Barangélé. Tu sais ça. T'as pas tout le fils qui a les oreillons. Je suis sorti avec le fils de Barangélé. Je ne veux pas de Barangélé. Barangélé, c'est mon ex. Appelle-le. Barangélé, c'est mon ex. Ne parlez pas, ne me mélangez pas avec les parents. Problème. Vous avez une famille de Bordeaux, une famille
venir où? De bord de l'est. Bien vous partez. Hey, Je m'en fous. Je vais faire le ménage. Papa, avec tout le respect que je vous dois, prenez pas la main, tu parles de lui. Partez. Bande d'hypocrites là, ritualiste. Partez. Voilà la F ici. Crée la F. Partez non. Bande de bordeaux pour musculer. Ouais, la poule rouge. Il y a pas la poule rouge ici. Vous portez plainte. Il y a pas la poule rouge. Vous traitez de bordeaux. Vous portez plainte. Vous pensez quoi? Ah, tu t'en laisses un petit dos. C'est quelle histoire? Ça, nous sommes maman. Mon mariage est forcé. Bah, tout ça. Ça bordeaux jusqu'à ton cul. Président. Le cul. Tu vas devenir comme vous dites. Tout ça va. La porte de la rue. Partez. Rien, partez, n'est juste salopard. Ne venez pas ici là. Vois-moi quelqu'un. C'était comme ça là, idiot. Toi, entre là-bas. Merde. Parler de Mbar Gangel, il m'a payé, bah, il sait que c'est je sortais avec son fils. Il connaît qui l'a fait. Il sait que sortait avec son fils. Et de porter les jus là. Michel, que Michel sorte. Michel sort. Tu vas avoir trois jours ici sans manger. Michel, tu as. Je l'ai pensé à trois le gars, tu vas nous passer quoi. Mais moi, je vous dis dans cette maison, ça ne va pas se finir comme ça. Tu vois, c'est moi qui ai fait le jus. Moi, je vous dis dans cette maison, ça ne va pas finir comme ça. L'objectif ici, c'était qu'une personne sorte de cette maison. Il a choisi et il prend les responsabilités sur elle. Vous refusez pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est la jalousie. Tu es ici, il était même supporté, tu ne parviens pas à coucher, c'est la jalousie. Toi, tu es là depuis, tu as fait l'enfant avec Nathan Douala, il est parti. Depuis, il t'écrit encore. On est rien avec toi. Tu vas sortir avec l'enfant. Nathan Douala, je m'en fous de lui. Je vais vous montrer. Voilà le président que vous avez chassé. Il a dit qu'il devait acheter la moto. Il devait acheter la moto. Moi, il avait vu ma moto. Vous le laissez partir. Je vais vous montrer. Même si c'est moi qui l'acceptais, j'allais le ruiner. Moi, je ne l'ai même pas. Je blague avec lui. Tu fais quoi? Tu mets les gens qui dehors. Attends un peu. Tu es malade? Tu mets les gens qui dehors? Seigneur, la famille de mon enfant.